Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Apprendre un morceau avec piano-facile.fr. Au programme d'aujourd'hui, le chant des sirènes des frérots de la Vega. On va voir la partition qui a téléchargé dans MuseScore pour réussir à jouer ce morceau. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce qui se passe et à venir faire un petit coucou sur Tipeee si vous voulez nous donner un coup de main à faire plus de vidéos. Voilà, et ben j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on va commencer par déchiffrer un petit peu la main droite. Alors on va avoir un fa dièse à la clé, donc tous les fa sont dièses. Ça c'est fait, maintenant la mélodie. Alors il va falloir faire do, si, la, si, et après si, la, sol, la, et on finit par notre fa dièse. Et il va falloir le faire comme ça. À faire deux fois. La main gauche va faire la chose suivante. Elle va faire la, mi, la. Après, elle va faire sol, mi, sol. Et après, elle va faire ré, ré et fa dièse. Alors, il faut bien faire ce doigté là avec le cinquième sur le ré en bas, le pouce sur le ré qui est en haut et le fa dièse avec le deuxième doigt. Et après, il va falloir synchroniser ces deux-là pour réussir à faire l'intro. Donc en gros, on va faire la, mi, la et sur le la final, on va faire le do, si, la, si. Je refais. Et juste après avoir fait le si, juste après, on va faire la suite de la main gauche. Et après, je fais la mélodie, la suite à la main droite. Et le fa dièse va se faire en même temps que le ré aigu. Et on fait une deuxième fois la main gauche. J'ajoute la pédale. Bien sûr, c'est un peu plus rapide, mais là, c'est pour vous le montrer. On y va, maintenant qu'on a fait l'intro, on va faire le couplet. Le couplet, donc la main gauche, c'est la même, donc on vient de le faire, donc ça sert à rien qu'on en reparle. La main droite va faire trois accords. Le premier, ça va être un la mineur, qu'on va jouer do, mi et la. Ensuite, on va faire si, ré, mi et sol, qui correspond au mi mineur, 7. Et après, on va faire ceci, la, ré, mi, fa dièse. Donc c'est un ré 9, la, ré, mi, fa dièse. Donc ça va faire, et on va le jouer encore une fois sur la note la plus aiguë des trois. Accord suivant. Accord suivant. Et on le refait. Voilà ce qu'il faut réussir à faire. Et bien maintenant, le pré-refrain. Alors, on va faire la main droite pour commencer. C'est le plus simple. On va faire accord de Do majeur 4 fois de suite. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol. Mi mineur ensuite, si, mi, sol. Sol majeur, si, ré, sol. Ré majeur, la, ré, fa dièse. On a vu la main droite et ça, tout ça, ça sera à faire deux fois. La main gauche va être un peu plus compliquée. On va voir un rythme un petit peu compliqué. Donc, il va falloir faire un do grave, un do un peu plus aigu. Après, il va falloir rejouer ce do, faire un mi et rejouer ce do. Et si je compte, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil pour le mi. Pareil pour le sol. Pareil pour le ré. Et on remarque qu'il y a une petite danse à la main gauche où je fais petit doigt pouce et après je passe avec le deuxième doigt sur le do. Comme
comme ça évite d'étirer les doigts. Après, il faut le faire main ensemble. Donc, je vais le faire tout doucement. Et c'est le même rythme pour tout. Et ben voilà, on a vu cette partie, maintenant le refrain. Pour ce refrain, on va essayer de simuler un petit peu la main droite avec la mélodie, faire un mélange de la voix et de l'accompagnement. Donc ça va être un petit peu plus dur à bien jouer, mais sachez que vous avez un peu plus de liberté vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que si vous ne faites pas exactement ce qui est marqué sur la partition, c'est pas grave, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne là. Alors on va voir déjà la main gauche. La main gauche, elle va faire quelque chose de simple. Elle va faire la, mi, la, mi, la, mi, la, mi. Ensuite, elle va faire la même chose avec un mi. Mi, si, mi, si, mi, si, mi, si. La même chose avec un sol. Donc, sol, ré. La même chose avec un ré. Ré, la, ré, la, ré, la, ré, la. La difficulté va être sur la main droite. Donc, il va falloir faire mi, la, do deux fois. Et après, on va faire la, do, mi. Et avec les doigts ici, on va faire en gros mi ré do. Donc. Et mi ré do. La suite, c'est à peu près pareil. On va faire l'accord à base de mi. Donc mi sol si deux fois. Et après, on va faire la même chose. Donc là, au lieu de faire la do et mi ré do, on va faire sol si et mi ré do. Si j'enchaîne les deux. La suite, on va être à base de sol. Donc on va faire ré, sol et si. Et là, on va faire mi, ré, si, do. Avec comme complément la suite de l'accord de sol, sol, si. Donc ça va faire. Et après, on va avoir notre ré qu'on va faire fa dièse, la, ré. Et après, on va faire le même ré plus grave, ré fa dièse la, mais en même temps, on va faire la mélodie qui va être la, si, do, si, la, sol. Et on peut en même temps doubler le ré ici de temps en temps. Donc, si j'enchaîne tout, mi, ré, do, mi, ré, do, le sol. Et après, on va faire le ré et la mélodie. La, si, do, si, la, sol. Avec la main gauche, maintenant, il va falloir essayer. Ça va faire ceci. Avec le mi. Avec le sol. Et avec le ré. Voilà. Et la suite, ça reprend pareil. Donc, le mi. Ça va changer un petit peu à partir du sol. On refait deux fois l'accord. Ça va changer un petit peu au niveau du sol. On refait deux fois l'accord. Après, do, si. Et pour le ré. On va faire le ré avec un si au début. Donc on va faire la, ré, si. Sur la deuxième note de la main gauche, on va faire un la. Et on fait le la tout court ici. Et la main gauche continue. Donc si je fais la deuxième partie, ça va faire. Au pas la la la, etc. etc. Voilà, et ben on a vu tout ce qu'il faut pour ce morceau. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, à venir vous abonner, à faire un tour sur Tipeee ou sur le Facebook. C'est à vous, travaillez bien. Ciao!